Alors, la civilisation égyptienne a duré très longtemps. À partir de l'apparition de l'écriture, vers 3000 avant Jésus-Christ, on peut estimer que cette civilisation donc, a duré près de 3000 ans. Ces 3000 ans, c'est une succession de très nombreux rois, de très nombreux pharaons. Les égyptologues du 19e siècle ont découpé ces 3000 ans d'histoire en plusieurs périodes pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Donc la première période, c'est la période archaïque, voilà, les trois premières dynasties. Ensuite, nous avons l'Ancien Empire. Donc l'Ancien Empire, c'est la période durant laquelle ont été bâties les grandes pyramides. Donc l'Ancien Empire, c'est environ vers 2700 avant Jésus-Christ, 2200. Voilà. Ensuite, nous avons une première période intermédiaire qui était une période de troubles, de luttes intestines au sein de l'Égypte ancienne. Ensuite, le Moyen Empire, qui était une période de renouveau. La seconde période intermédiaire, une nouvelle période de troubles, et enfin le Nouvel Empire, l'empire des grands conquérants égyptiens, dont Ramsès II, Toutmosis III, et ensuite une autre troisième période intermédiaire, et enfin la Basse Époque, qui se termine avec la période grecque. Donc l'histoire de la civilisation égyptienne ne commence pas à proprement parler en 3000 avant Jésus-Christ avec l'apparition de l'écriture, elle est bien plus ancienne, mais on n'en a pas de traces écrites. Alors, on a quand même des monuments, on a des documents. Tout laisse penser que la civilisation égyptienne remonte au moins à 4000 avant Jésus-Christ. Au sujet de la construction des pyramides, il y a une idée reçue en fait, qui nous dit, qui affirme que nous ne savons rien, que c'est un mystère total. En fait, c'est complètement faux. Nous savons beaucoup de choses. Nous savons d'où viennent les matériaux, d'où ils ont été extraits, comment ils ont été extraits, comment ils ont été taillés, façonnés, transportés. Donc nous savons, globalement, nous savons 90% du problème. Nous savons y répondre. La question se pose surtout en fait de savoir comment ils ont élevé les matériaux au fur et à mesure de l'élévation des assises des pyramides. Là aussi, le mystère est partiel. Nous savons d'après d'autres documents comment ils pouvaient élever les matériaux dans d'autres monuments, etc. Nous n'avons malheureusement pas au sujet des pyramides, un document précis qui nous décrit par des textes ou par une image la manière dont ils ont élevé les blocs de pierre. Ce n'est pas le plus important, c'est certes une question qui est tout de même primordiale. Malgré tout, il faut quand même garder à l'esprit que nous savons répondre à quasiment toutes les questions au sujet de la construction d'une pyramide. Une très grande pyramide comme la pyramide de Khéops, c'est plusieurs millions de blocs de pierre. On entend souvent l'idée selon laquelle ces blocs de pierre ont été finement taillés au millimètre près, voire au dixième du millimètre près, et agencés au dixième du millimètre près. Alors c'est vrai pour certains d'entre eux, surtout pour les blocs de parement, en fait, puisqu'il fallait que l'aspect final de la pyramide soit irréprochable. On montre une image de perfection. Par contre, la majorité des blocs qui constituent la pyramide ou une grande pyramide sont des blocs relativement grossiers, en fait, qui ont été à peine équarris, c'est-à-dire avec une forme cubique mais plus ou moins grossière, et ensuite bourrés avec du mortier ou même des matériaux, une sorte de remblai de matériaux qui pouvaient aussi combler des vides. Et donc, en fait, les blocs sont très bien taillés en surface, mais à l'intérieur, nous avons des blocs très grossiers. Donc cette précision souvent mise en avant, et qui prétend que tous les blocs d'une pyramide sont agencés au dixième du millimètre, c'est complètement faux. Globalement, on prenait soin donc à bien agencer les blocs de parement, à bien agencer les blocs qui constituaient les appartements funéraires, mais tout le reste, c'était du remplissage. Donc on pouvait remplir avec des blocs grossiers, mais aussi à l'occasion avec du sable, du gravier, et puis tout ça pour gagner du temps en travail et en matériaux. On peut très bien observer ce blocage grossier à l'intérieur de la sape d'Al-Mamoun, dans la pyramide de Khéops. Cette sape, c'est le canal, en fait, c'est le petit tunnel qui nous permet de pénétrer à l'intérieur de la pyramide. Donc on voit très bien que les blocs ne sont pas parfaitement agencés. On a aussi un très bon exemple de blocs relativement grossiers à l'intérieur d'une pyramide, à la pyramide de Meidoum. Donc on voit la pyramide de Meidoum est une pyramide éventrée, ruinée, dans laquelle on voit les premiers stades de construction. Et ce premier stade, c'est une pyramide à degrés. Et donc, dans la face nord de cette pyramide à degrés, on voit que la face est éventrée.
Et dans cet éventrement, on peut observer en fait la nature des blocs, leur forme, et ceux-ci sont vraiment très grossiers, ils sont même pas équarris. Ils sont bourrés entre eux de, enfin les joints sont bourrés de mortier. Alors le parement est finement travaillé et lisse, mais à l'intérieur, on voit bien que les blocs sont grossiers. Les pyramides ne sont pas apparues subitement à partir de rien. Elles font partie d'une évolution, voilà, dans l'architecture funéraire. Les premiers pharaons, les premiers souverains, les premiers rois se sont fait inhumer dans de grandes tombes en forme de mastaba. Donc des mastabas, c'est mastaba en arabe, ça veut dire banc. Donc ces mastabas, ce sont des sortes de grands tumulus en fait, tout simplement, avec des parties des aménagements souterrains, des aménagements funéraires, ils pouvaient être assez volumineux. Et à partir de la troisième dynastie, le pharaon Djoser a décidé d'avoir une tombe plus grande que celle de ses prédécesseurs. Et donc son architecte Imhotep, enfin on suppose que c'est son architecte Imhotep, a décidé d'inventer une forme nouvelle. Donc après de multiples tâtonnements, il est arrivé à agrandir ce mastaba et ensuite à le superposer par une petite pyramide, qui elle-même a ensuite été agrandie, une pyramide à degrés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est apparu comme ça au fil d'une réflexion. Donc cette première pyramide à degrés est ensuite reproduite. Et enfin, on a créé la pyramide véritable à face lisse, qui pouvait atteindre des proportions assez gigantesques. On le voit très bien avec la pyramide de Khéops. Donc l'ère des pyramides a été assez longue. On a eu l'Ancien Empire, le Moyen Empire, donc ça a duré près d'un millier d'années. Les premières pyramides étaient à degrés. Alors déjà, elles étaient le fruit de tâtonnements, puisque leur origine vient du mastaba, des premières tombes, des premières dynasties. La pyramide à degrés, ensuite, a évolué. Et on voit très bien à Meidoum qu'on a d'abord construit une pyramide à degrés qui a été agrandie une première fois. Donc on a deux pyramides à degrés l'une sur l'autre. Et enfin, une troisième fois, on a décidé de recouvrir tout cet ensemble par des enveloppes en face lisse. C'est-à-dire que la pyramide est devenue, voilà, de profil triangulaire. Donc la pyramide à face lisse a sans doute été inventée non pas à Meidoum, mais à Dachour, à la pyramide rhomboïdale. Donc Snéfrou est l'auteur de trois pyramides, celle de Meidoum, la rhomboïdale à Dachour et la pyramide rouge à Dachour. Donc il a d'abord commencé une pyramide à degrés à Meidoum. Il a décidé de créer un autre chantier, donc sans doute pour bénéficier d'une forme nouvelle, la pyramide à face lisse, il a choisi le site de Dachour pour la construire. Alors pourquoi Dachour? Probablement parce que Dachour se situe plus près des carrières de Toura et de Massara, carrières qui fournissaient en fait le calcaire fin qui parait les revêtements des pyramides. Donc, il construit cette première pyramide à Dachour pour de multiples raisons, des problèmes structuraux, elle s'affaisse un peu, on fait beaucoup de modifications qui altèrent le monument. Il décide de démarrer un nouveau chantier à Dachour, encore une fois, la pyramide rouge. Une pyramide qui, dès le départ, devait être à face lisse, avec des pentes très peu inclinées, pour éviter tout problème de tassement. Et parallèlement à cela, il finit la pyramide de Meidoum avec une enveloppe à face lisse, pour bénéficier probablement d'une pyramide au cas où il n'aurait pas le temps de terminer la pyramide rouge. Alors pourquoi Snéfrou a voulu bénéficier de trois pyramides? En fait, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu, dès le départ, bénéficier de trois pyramides, mais il a eu la possibilité de modifier son projet, d'en entreprendre d'autres, parce que sa vie, sa santé le lui permettait, tout simplement. Une fois qu'il avait sa pyramide à degrés de Meidoum, pleine force de l'âge, peut-être que ses architectes avaient inventé des formes nouvelles, peut-être a-t-il voulu en bénéficier, il commence son autre projet de pyramide à face lisse à Dachour. De multiples problèmes surviennent. Il est toujours en pleine santé, on lui prédit encore de longues années. Il est peut-être assez motivé pour entreprendre encore un projet parfait, qui sera parfait celui-là, qui le satisfera pleinement, la pyramide rouge. Donc voilà, au fur et à mesure, on a des tâtonnements, on a des modifications qui aboutissent au final à trois pyramides, dont une seule allait accueillir la dépouille du souverain. Alors, le temps de construction, on dit souvent, en fait, on prétend souvent que Snéfrou n'aurait jamais eu le temps de construire ces trois pyramides. En fait, c'est faux, puisque si on fait un simple calcul de proportionnalité, que l'on compare avec la pyramide de Khéops, qui a exigé environ 27 ans, eh bien, il est tout à fait possible à Snéfrou d'avoir construit ces trois pyramides en environ sur une quarantaine d'années.
Donc, si ce n'est Frou a régné une quarantaine d'années, il a pu vivre entre 70 et 85 ans, ce qui est tout à fait probable, puisqu'on connaît d'autres pharaons de l'Ancien Empire qui ont vécu aussi longtemps. Si on fait le total des volumes des trois pyramides de Snéfrou, on arrive à environ 3 800 000 mètres cubes, ce qui est beaucoup comparé aux 2 600 000 mètres cubes de la pyramide de Khéops. Donc il est arrivé voilà, à ce résultat, avec un âge finalement qui le lui a permis. Il a régné une quarantaine d'années sans doute, et d'ailleurs la documentation historique tente à montrer que c'est tout à fait plausible, tandis que Khéops, lui qui a régné environ 27 ans, a pu bénéficier avec les mêmes techniques, la même progression. De construction a pu achever lui aussi sa pyramide. Donc construire une pyramide, c'était une entreprise assez gigantesque qui nécessitait d'employer une main-d'œuvre très importante qui venait des quatre coins du pays. Donc c'était un projet onéreux. En plus d'être onéreux, ce projet indiquait, c'était une flèche qui indiquait aux éventuels pillards où chercher le trésor de Pharaon. Voilà. Donc, à un moment donné, à la fin du Moyen-Empire, durant la troisième période intermédiaire, on a encore construit des petites pyramides. On a inventé des moyens de sécurité assez étonnants, vraiment ingénieux, pour éviter justement que les pillards n'accèdent à la chambre funéraire. Mais on a fini quand même par abandonner cette idée de pointer cette flèche vers le trésor du pharaon et de choisir finalement de creuser des hypogées, c'est-à-dire des tombes souterraines à l'intérieur d'une montagne, plutôt que de construire une pyramide. Donc on a ainsi abandonné au fur et à mesure, au fil du temps, l'idée de cette pyramide au-dessus d'une tombe. L'objectif de ces hypogées était justement d'être plus cachées, plus dissimulées. Voilà. Donc là, par exemple, la vallée des rois, à Thèbes, se situe donc au pied d'une montagne qui gros, a cet aspect un peu de pyramide grossière, mais qui a pu voilà, inspirer les pharaons de choisir ce lieu et de s'y faire inhumer. Alors les tombeaux de la vallée des rois étaient très 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 bien cachés, très bien dissimulés au sein des falaises. La preuve que ces tombes étaient bien dissimulées, c'est qu'en 1922, Howard Carter a découvert la tombe de Toutankhamon, qu'on n'avait jamais retrouvée depuis l'Antiquité. De nombreux chercheurs, de nombreux commentateurs disent que Khéops a régné une vingtaine d'années et qu'il aurait donc construit sa pyramide en une vingtaine d'années seulement. Savoir qu'en fait l'état de l'archéologie a évolué depuis. On a découvert des documents, des papyri en fait, sur lesquels on a des dates. Et on sait maintenant que Khéops a régné au moins 27 ans. Voilà. Donc il a peut-être même régné plus. Peut-être qu'un autre document qui sera découvert plus tard nous dira qu'il a régné au moins 28, 29 ans, on ne sait pas. Mais on sait qu'il a régné au moins 27 ans. Ce qui implique que la pyramide de Khéops, donc, a été construite en au moins 27 ans. Donc voilà, il faut absolument oublier maintenant cette idée des 20 ans. Le cliché du bloc taillé, déplacé, posé toutes les 2 minutes ou 2 minutes 30 sur la pyramide de Khéops, c'est pas faux. Mais de le présenter de cette manière, c'est trompeur. C'est un peu comme si nous disions qu'à la sortie d'une usine automobile, une voiture était fabriquée, construite, peinte, assemblée toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Ce qui impliquerait en fait qu'on n'ait que 30 secondes ou 1 minute pour construire cette voiture. C'est bien que ça n'a pas de sens. En fait, il faut prendre le chantier dans sa globalité, considérer les milliers d'ouvriers qui travaillent en même temps, et nous n'avons pas un homme qui travaille sur un bloc et qui va avoir que 2 minutes 30 pour l'extraire, le déplacer et le poser, mais c'est tout un ensemble, voilà, c'est une industrie qui est au service. Donc nous avons plusieurs centaines de blocs tous les jours qui sont placés, mais par des milliers de gens. Et là, ça fait beaucoup plus de sens. Serions-nous capables de construire une pyramide telle que la pyramide de Khéops aujourd'hui? Clairement oui. Nous avons des techniques, des technologies qui sont bien plus avancées qu'à l'époque. Alors prétendre que nous ne saurions pas, c'est complètement faux. Nous savons envoyer une sonde spatiale en centimètres près, près de Jupiter, près de Saturne. Vous imaginez bien que construire sur 230 mètres une ligne parfaite et orienté avec une erreur de 2 cm, c'est tout à fait possible. On est même capable de faire bien mieux.
quand nous parlons par exemple de la chambre du roi et de la pyramide de Khéops, qui est prétendument parfaite, comme si elle avait été alignée au laser, là aussi c'est complètement faux. Alors c'est vrai que nous avons une qualité d'exécution extraordinaire, on ne peut pas le nier. C'est un travail formidable que les Égyptiens ont fait. Par contre, dire qu'elle est précise, alors avec des angles droits, des niveaux qui ont été faits au dixième du millimètre, c'est complètement faux, puisqu'elle a subi des dommages. Cette chambre du roi, en fait, est complètement déformée. C'est-à-dire qu'elle s'est tassée sur un côté, elle s'est fissurée, suite justement à des mouvements de structure que les Égyptiens étaient incapables de prévoir, avec les outils qu'ils possédaient à l'époque. Donc nous saurions le faire, nous, maintenant, avec des outils de simulation. Nous saurions prévoir ces mouvements. Eux n'en étaient pas capables. Ce qui n'empêche que le résultat est tout de même extraordinaire. Ce travail extraordinaire que les Égyptiens ont produit, voilà, il n'est pas le résultat d'une technologie avancée ou complètement anachronique. En fait, il suffit tout simplement d'être bon artisan. Un bon artisan, c'est quelqu'un qui utilise le fil à plomb, une équerre et un niveau. Voilà. Et avec ça, si on est rigoureux, si on fait le travail et qu'on y revient, on arrive toujours à des résultats extraordinaires, qui paraissent extraordinaires. Donc les Égyptiens, ils sont parvenus avec la chambre du roi, ils sont parvenus ailleurs, dans toute leur construction, là où ils y mettaient du soin et de l'application. Tout comme nos ouvriers, ils sont parvenus sur les chantiers des cathédrales. Les outils qu'ils avaient à disposition, l'équerre, le fil à plomb, les règles, les cordes, voilà, ça leur suffisait. Ce n'était pas une technologie avancée, c'est une technologie qui est complètement en accord avec leurs moyens, mais que nous aussi, on a utilisé encore très longtemps, jusqu'il y a 200, 300 ans. Donc voilà, avec ça, on arrive à des résultats tout à fait exceptionnels. On observe chez Khéops des aménagements particuliers. Par exemple, les chambres de décharge qui couvrent la chambre du roi. On retrouve ces chambres de décharge nulle part ailleurs. Alors, il faut savoir que les chambres funéraires des pyramides étaient d'abord souterraines. Donc il n'y avait nul besoin de les couvrir d'un système de protection qui pouvait les préserver de la masse que l'on allait accumuler au-dessus. Après, à partir de la pyramide de Meidoum, Snéfou a décidé de bénéficier d'une chambre funéraire construite dans la masse même de la maçonnerie. Et là, ça complique beaucoup les choses. Parce que là, il fallait pouvoir la préserver de toute la pyramide qui allait peser dessus. Donc il a fallu inventer des structures, donc des voûtes, types de voûtes. La première, c'était la voûte en encorbellement. Alors la voûte en encorbellement, ce sont un peu des ressauts comme ça, qui viennent se resserrer au fur et à mesure et se rencontrer au sommet. Ça permet donc à toutes les forces de venir se décharger sur les côtés. Alors l'intérêt d'une telle voûte, c'est qu'il est structurel, mais il est aussi peut-être symbolique. Parce que le profil d'une voûte en encorbellement, c'est le profil d'une pyramide à degrés. Donc il y a peut-être une connexion comme ça qui est volontaire. Donc on a les voûtes en encorbellement dans les trois pyramides de Snéfrou. Et ensuite, chez Khéops, on a encore une voûte en encorbellement dans la Grande Galerie. Par contre, il y a une nouvelle voûte qui fait son apparition, c'est la voûte en chevron, donc de cette forme-là. Alors celle-ci est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre, puisque la voûte en chevron est composée d'immenses monolithes qui pèsent au moins une cinquantaine de tonnes chacun, et qui viennent se contrebuter comme ça, voilà, qui viennent recevoir toutes les charges. Alors chez Khéops, on observe ces premières voûtes, et on observe aussi le fait que cette technologie faisait ses premiers pas, c'était les balbutiements. Alors, les chambres ont bien été préservées, mais elles se sont fissurées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore très bien compris, ce qui est normal, ils n'avaient pas des outils de modélisation. Ils ne savaient pas qu'en accumulant les assises de construction, donc les masses qui allaient peser sur ces voûtes, que ces voûtes allaient un peu se déformer. Donc la géométrie des voûtes se déforme de quelques centimètres, tout vient peser dessus, ça tasse, et donc ça pèse sur les murs latéraux, et les murs se sont fissurés. Dans les pyramides suivantes, on verra que les Égyptiens, en ayant saisi ça, ont disposé des vides, en fait, qui séparaient les murs latéraux des voûtes, pour qu'elles puissent venir se tasser un peu, et ne pas peser, et ne pas fissurer les murs. Donc voilà, on a une évolution de l'ingénierie qui montre que sous Khéops, on inventait encore, mais qu'on n'était pas encore parvenu à la perfection. Donc les chambres de décharge figurent un peu dans cet ordre, dans ce cheminement des idées et des techniques. Les chambres de décharge, en fait, avaient pour but de surélever la nouvelle voûte en chevron qui devait couvrir la chambre du roi.
Et pourquoi est-ce que la voûte en chevron allait aussi non impacter la grande galerie qui se situait à proximité? Alors, comme la grande galerie est inclinée, il a fallu disposer des encorbellements au fur et à mesure de l'élévation des assises avec des blocs qui étaient eux aussi inclinés suivant le couloir. Donc finalement, on a une voûte en encorbellement inclinée, mais tout simplement parce que le couloir était incliné. Pourquoi nous avons une voûte en encorbellement dans la grande galerie? A priori, c'est un simple couloir d'accès. Mais ce couloir est plus large. Un couloir fait grosso modo environ 1 mètre de large, un peu plus d'un mètre de large. Couloir classique. Mais la grande galerie, c'est le double. Alors pourquoi le double? Parce qu'en fait, il fallait y entreposer des blocs bouchons. Les blocs bouchons qui allaient venir condamner l'accès du couloir ascendant. Donc les blocs bouchons qui aujourd'hui sont toujours situés en bas du couloir ascendant proviennent de la grande galerie. Cette grande galerie, en fait, c'est un système de lancement pour pouvoir condamner l'accès. Alors pourquoi on a donc un couloir plus large? Tout simplement pour pouvoir contrôler, avoir de l'espace pour pouvoir contrôler le lancement de ces blocs bouchons. Et qui dit couloir plus large, bah dit obligation de couvrir l'ensemble par une voûte en encorbellement. Donc la pyramide de Khéops dispose exceptionnellement de trois chambres. Une souterraine, la chambre de la reine et la chambre du roi. Alors la chambre de la reine, on a qualifié cette chambre, la chambre de la reine et la chambre du roi, à l'époque de la Renaissance, lorsque les Égyptiens de l'époque faisaient visiter aux touristes occidentaux la pyramide. Donc, ils s'imaginaient un tas de choses, dont cette présence d'une reine dans la chambre médiane et puis la présence du roi dans la chambre supérieure. En fait, on ne sait absolument pas voilà, ce qu'a pu contenir la chambre dite de la reine. Par contre, la chambre du roi a effectivement sans doute dû contenir la dépouille du roi, puisqu'il y a un sarcophage à l'intérieur. Alors, pourquoi trois chambres? Tout simplement, probablement, parce que nous avons eu des changements de projet au cours de la construction. Au départ, Khéops a sans doute voulu disposer d'un tombeau souterrain plutôt qu'un tombeau situé au sein de la maçonnerie. On a sans doute abandonné la chambre souterraine pour des questions de difficulté liée au travail. Voilà, ça se situait très en profondeur, au bout d'une galerie assez exiguë. Donc le manque d'oxygène a sans doute dû convaincre les responsables de travaux qu'il fallait avancer plus vite et qu'il fallait disposer de quelque chose de plus pratique à mettre en œuvre. Voilà. Donc il fallait commencer à élever les assises de la pyramide et trouver un projet plus réalisable pour pouvoir être dans les temps. Et on s'est sans doute résolu à construire donc une chambre à l'intérieur du massif pour pouvoir mieux contrôler justement voilà, ce dispositif et la facilité d'exécution. Donc la chambre de la reine se situe au milieu. La grande galerie a peut-être déjà été programmée à cet instant pour pouvoir contenir des blocs bouchons qui viendraient condamner l'accès du couloir ascendant. Pour des raisons qu'on ignore, pas d'explication, on a sans doute abandonné ce projet pour construire une chambre encore plus haut et qui se situerait au bout de la grande galerie. Alors qu'il y ait eu des changements et que ce soit pas un plan global voulu dès le départ est sans doute plus probable. Parce que le plan global, avec une chambre souterraine inachevée, et les diverses modifications qu'on voit ici et là, par exemple le puits de service qui a été improvisé au sein de la maçonnerie, tout ça montre bien qu'il y a eu des modifications et qu'il y a eu des hésitations. Alors on critique souvent ce point de vue en disant que les Égyptiens n'étaient pas idiots au point de faire de telles modifications ou d'hésiter sur un projet d'une telle envergure. C'est en fait complètement naturel. Un projet architectural, même aujourd'hui, s'il s'étend sur le long terme, sur de très longues années, il subit toujours des modifications. Pourquoi? Pas par hésitation, par maladresse, mais parce que le maître d'œuvre change d'idée, il y a des désirs supplémentaires, d'autres désirs, et que l'architecte doit y répondre. Voilà. Sur 20 ou 27 ans, c'est tout à fait naturel que Khéops ait décidé de disposer d'autre chose que ce qu'il avait décidé au départ. La mission toute récente Scan Pyramide prétend avoir découvert des nouvelles cavités au sein de la pyramide de Khéops. Il faut savoir qu'elle a donc usé de moyens de détection sophistiqués tels que la myographie qui permet de détecter en fait des rayonnements venus du ciel. Et donc d'après leur détection, d'après leurs résultats, un vide se situerait au-dessus de la Grande Galerie. Alors, on ignore encore exactement quelle est la nature de ce vide, si vraiment c'est un vide, quelle est sa forme exacte, etc. Donc ça, on a encore beaucoup de questions là-dessus,
Est-ce qu'on a une découverte d'un aménagement funéraire ou d'un aménagement qui aurait permis à la construction? On n'en sait rien. On ne peut pas être catégorique là-dessus. Pour l'instant, on attend de nouvelles informations pour pouvoir élaborer des idées très précises à ce sujet. Alors, cette détection, est-ce qu'elle met en évidence un vide, à proprement dit, ou simplement une différence de densité? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre à l'heure actuelle. Il faudrait vraiment des mesures beaucoup plus précises qui nous permettent, voilà, d'avoir une vue plus claire. La pyramide de Khéops dispose d'aménagements vraiment uniques, mais il faut savoir que la plupart des pyramides construites jusque Khéphren, même Mykérinos, disposent d'aménagements uniques. Donc Khéops ne déroge pas la règle. Dans sa pyramide, on a par exemple des conduits dits de ventilation, des canaux, des petits conduits d'une vingtaine de centimètres de largeur et de longueur, en fait une section carrée comme ça, ou approximativement rectangulaire, qui se dirigent droit vers les faces. Donc à partir de la chambre de la reine et à partir de la chambre du roi. Les deux canaux qui partent de la chambre de la reine sont inachevés, c'est-à-dire qu'ils se terminent en impasse. Par contre, ceux de la chambre du roi atteignent bien la surface. Ce qui laisse supposer encore une fois que la chambre de la reine était un projet qui a été abandonné. Donc ces canaux, à quoi ils servaient? Qu'est-ce qu'ils symbolisent? On n'en sait absolument rien. On n'a aucun document qui nous permet de les décrypter. On sait seulement qu'ils relient la surface au plus court, la surface des pyramides au plus court. Maintenant, est-ce qu'ils avaient pour but de ventiler? C'est très peu probable, puisque les canaux de ventilation de la chambre de la reine étaient bouchés au niveau de la chambre de la reine. C'est-à-dire qu'on les a découverts qu'au XIXe siècle, en entaillant dans les blocs. Par contre, ceux de la pyramide de Khéops étaient, d'après ce qu'on sait, étaient ouverts dans la chambre et ils atteignaient bien l'air libre à la surface. Alors, est-ce que le but était de ventiler? Certainement pas. Le but est-il symbolique? Est-il lié aux étoiles? Certains l'affirment, on n'en sait absolument rien. Est-ce qu'il pouvait se diriger vers Orion, Sirius ou les étoiles du Nord? C'est quelque chose qui semble assez problématique, puisqu'il faut savoir quand même que Sirius et Orion, ce sont des étoiles qui se déplacent dans le ciel, qui se lèvent et qui se couchent. Donc à quel moment le canal sud de la chambre du roi était-il censé pointer vers Orion ou vers Sirius? Quelque chose qui fait peu de sens. Il existe une prétendue association entre la constellation d'Orion, entre la ceinture en fait de la constellation d'Orion, les trois étoiles, et la position des trois pyramides de Gizeh. Donc c'est une théorie qui a fait grand bruit, qui est souvent partagée. Donc on fait le lien, là, le lien a été fait entre cette position. Alors, pour faire ce soi-disant lien, il faut faire abstraction d'un tas de petits problèmes quand même, puisque finalement cette position n'est pas rigoureusement identique. Il faut supposer que les souverains qui se sont succédés avaient tous à cœur de suivre un projet qui avait été initié par Khéops. C'est-à-dire que Khéops aurait donc posé sa pyramide pour symboliser la première étoile, et que tous les souverains suivants, pardon, se seraient évertués à suivre ce projet. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque les souverains qui ont succédé à Khéops n'étaient pas que Khéphren et Mykérinos. Le successeur de Khéops, Redjedef, son fils, a lui décidé de construire sa pyramide bien plus au nord, à Abu Rawash. Donc s'il y a eu un plan initial visant à reconstituer les constellations d'Orion, déjà, il aurait été rompu. Le fils de Redjedef, lui, a construit sa pyramide bien plus au sud, à Zaouiat el-Ariane. Là aussi, la constellation d'Orion n'est pas respectée. C'est ensuite Khéphren qui revient, lui, sur les traces de son père, venir édifier sa pyramide à côté de Khéops. Donc, a priori, voilà, on a du mal quand même à trouver un lien, une logique historique en tout cas, qui vienne confirmer cette théorie d'Orion. Et ensuite Mykérinos, le fils de Khéphren, qui construit sa petite pyramide. Il faut savoir que si on compare donc la position des trois pyramides rigoureusement avec les trois étoiles du Baudrier d'Orion, la ressemblance ne se limite qu'à trois objets qui sont plus ou moins alignés. La précision de l'orientation de la pyramide de Khéops vis-à-vis de l'étoile du Nord ou des points cardinaux est extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'elle nécessite de faire appel à une technologie avancée pour pouvoir l'expliquer? Certainement pas. En fait, il existe des techniques rudimentaires
liées, enfin reposant sur l'observation du lever et du coucher d'une étoile, ou bien alors sur l'observation du soleil, de l'ombre que projette un mât sur le sol par le soleil. Et donc là, si on met en œuvre des techniques rudimentaires, on parvient à une précision assez extraordinaire également. Il faut savoir qu'une seule mesure ne parvient pas à ce résultat-là. Il faut multiplier les mesures. Et ça, les Égyptiens étaient tout à fait en capacité de le faire. Alors, multiplier les mesures, ça veut dire diminuer le pourcentage d'erreurs. Voilà. Donc, les Égyptiens prenaient un grand soin à effectuer ces mesures à l'établissement du monument. Et ensuite, voilà, on arrive à des précisions extraordinaires. Maintenant, il est difficile de s'exprimer sur la volonté réelle des bâtisseurs. Est-ce qu'il y avait une règle à suivre à ce niveau, à ce sujet, hein? C'est que la pyramide de Khéphren répond quasiment à la même précision que celle de Khéops, mais Kérinos un peu moins. Par contre, le fils de Khéops, Redjedev, qui s'est fait construire une pyramide à Abou Rawash, donc quelques kilomètres au nord, a construit une pyramide qui, elle, ne présente pas une telle précision. C'est-à-dire qu'elle est orientée, a priori, suivant le nord et le sud, l'est et l'ouest, mais avec une incertitude beaucoup plus grande. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il est difficile de déduire quelque chose de ça. Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté d'orienter précisément les monuments suivant les quatre points cardinaux? On peut en douter, puisqu'il y a d'autres pyramides qui ne sont pas du tout orientées suivant ces points. Donc là, il y a une règle qui semble être admise, mais qui n'est pas du tout évidente. Non, s'il y avait une règle à suivre à un certain moment, par exemple sous le règne de Khéops, on sait que cette règle n'a pas été suivie, donc pas de manière très régulière. Les pyramides ne sont pas du tout orientées suivant les quatre points cardinaux. Donc, quelle était cette volonté au départ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette règle? On n'en sait rien. Les pyramides de Snéfrou, Adachour, Médoum sont orientées suivant voilà, les quatre points cardinaux également, mais avec une précision un peu plus faible. Néanmoins, toujours une très bonne précision. Il existe différentes théories qui permettent de l'expliquer, qui permettraient en fait d'obtenir de tels résultats. Par contre, d'un point de vue historique, on ne sait pas laquelle est la bonne. C'est-à-dire qu'on n'a aucun document qui nous explique clairement comment les Égyptiens ont procédé. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fait des observations de jour, des observations de nuit, avec quel matériel, avec quel dispositif? On n'en sait rien. Alors, ce n'est pas un mystère, c'est tout simplement qu'on n'a encore trouvé aucun document qui nous en parle. C'est d'après de nombreuses découvertes archéologiques que les principaux outils à la disposition des Égyptiens de l'Ancien Empire étaient essentiellement des outils en pierre, en cuivre et en bois. Donc les outils en cuivre, c'était des ciseaux, en fait des sortes de burins. Les outils en bois, c'était le maillet qui remplaçait notre marteau. Et les outils en pierre sont des sortes de marteaux également, mais qu'on saisissait avec les deux mains. Et on agissait par la percussion pour broyer la pierre. Donc ce sont des boules de dolérite généralement, qui est une pierre extrêmement dure, plus dure que le granit, et qui permettait de mettre en forme des pierres très dures comme le granit. Et les pierres, par contre, les pierres plus tendres comme le calcaire étaient mises en forme avec des outils en cuivre. Tous ces matériaux qui ont permis de confectionner les outils, de confectionner les pierres, les matériaux de construction, provenaient des quatre coins du pays. Par exemple, le basalte provenait du Fayoum. Le gypse, qui permettait de fabriquer le plâtre, provenait du Fayoum également. Le cuivre venait du Sinaï. Le gneiss venait de la Nubie, donc loin au sud. Le granit d'Aswan, loin au sud également. Et le calcaire de la région du Caire. Donc on avait tout un réseau économique qui était mis en fonction et qui produisait des échanges, en fait, une sorte de grouillement un peu humain, qui aboutissait à ce chantier de Gizeh ou de Dachour. Alors, le cuivre qui provenait du Sinaï était un cuivre qui contenait une part d'arsenic, ce qui signifie que cet alliage naturel rendait l'outil beaucoup plus dur qu'un cuivre naturel, simple, dénué d'arsenic. Donc le cuivre qui provenait du Sinaï contenait une proportion d'arsenic qui le rendait plus dur qu'un cuivre simple, naturel. Donc les outils que l'on pouvait forger avec ce cuivre étaient à même
de tailler, façonner les blocs de calcaire. Une grande pyramide telle que celle de Khéops, c'est une pyramide composée de différents matériaux. Les plus importants d'entre eux, donc la masse globale du monument, se composent d'un matériau local, calcaire. Un calcaire assez grossier, ce qui signifie en fait que chaque pyramide était disposée près d'une source de matériaux. Voilà, pour avoir à éviter, à limiter les opérations de déplacement et l'énergie à employer pour l'édifier. Donc elle se composait d'une grande partie de ce calcaire local, mais également d'un calcaire plus fin qui venait au final la revêtir. Un calcaire étincelant, c'est le calcaire dit de Toura. Donc des analyses avaient déjà démontré que ce calcaire provenait des carrières de Toura, au sud du Caire. Un document récent, le journal de Merer, donc un papyrus, a été découvert qui est venu le confirmer. Il évoque ces carrières. Et il évoque également le transport par bateau des blocs de calcaire vers le chantier de la grande pyramide de Khéops. D'autres blocs sont en granit. La pyramide de Khéops est la première pyramide à réellement employer d'une manière massive le granit rose d'Assouan. Alors ce granit, lui, vient par contre de plusieurs centaines de kilomètres au sud, à Assouan, à la limite sud de l'Empire égyptien. On a aussi le basalte qui lui venait parer le sol du temple funéraire. Le basalte, lui, provenait du Fayoum. Il était également transporté par bateau. Et enfin le gneiss qui, pour par exemple la pyramide de Khéphren, servait à tailler les statues, lui provenait de Nubie, encore plus loin au sud d'Assouan. Donc on avait tout un approvisionnement en matériaux qui provenait des quatre coins du pays, un peu comme les matériaux qui ont servi à la fabrication des outils. Les matériaux étaient principalement acheminés de leur lieu d'origine au chantier par bateau. C'est naturel puisque disposant d'une île, on n'allait pas se priver de ce moyen de communication pour le moins facile à employer. Donc le Nil constituait l'artère névralgique de tout un réseau de communication, de canaux, qui permettait donc d'acheminer, de transporter les blocs les plus lourds. C'était vrai pour le calcaire fin, les journaux de Merer l'évoquent, et c'était vrai également pour le granit rose d'Assouan. Alors ces blocs étaient transportés par bateau et on a des représentations plus tardives qui montrent, par exemple, le transport de grands obélisques sur d'immenses barges. Donc il y a tout lieu de penser que c'était exactement la même méthode qui a été employée à l'Ancien Empire, puisqu'on sait aussi qu'à l'Ancien Empire, des obélisques étaient transportés d'Assouan jusqu'au nord. La majorité des matériaux employés dans la grande pyramide de Khéops, tout comme dans la pyramide de Khéphren ou de Mykérinos, proviennent du lieu même du chantier, c'est-à-dire de Gizeh. Il faut savoir que les Égyptiens choisissaient un lieu pour y construire un monument, et ce lieu constituait en lui-même la source principale de matériaux. Et c'était assez facile à trouver, puisque finalement, de toute la région Memphite, c'est-à-dire organisée autour de l'antique capitale Memphis, nous avions une sorte de plateau rocheux qui longeait la vallée du Nil à l'ouest. Donc les sources de matériaux ne manquaient pas. On a choisi le site de Gizeh, comme on a choisi aussi le site de Dachour, le site de Médoum, le site de Saqqara, d'Abou Rawash. Et dès qu'on trouvait un plateau rocheux, le matériau était quasiment inépuisable. On a construit deux grandes pyramides à Gizeh, on aurait pu en construire trois ou quatre. Suffisait de la déporter un peu plus loin. Et aujourd'hui, on voit très bien encore les marques, les traces d'extraction, les encoches, les saignées qui ont permis de détacher des blocs à Gizeh. C'est-à-dire qu'on a vraiment, voilà, on a des empreintes de l'exploitation du site par les Égyptiens de l'époque des pyramides. Il existe une théorie qui tente d'expliquer autrement la construction des grandes pyramides et des grands monuments égyptiens. C'est celle de la pierre réagglomérée, c'est-à-dire du béton artificiel. Selon leurs auteurs, les Égyptiens n'auraient jamais taillé et façonné des blocs, les blocs que l'on voit sur les sites, sur les monuments. Ils auraient plutôt moulé chacun d'entre eux, c'est-à-dire par coffrage, comme nous on le ferait pour construire un immeuble ou un blockhaus par exemple. De toute évidence, les traces de carrière, les traces d'outils, de taille sur tous les blocs montrent sans aucun doute possible que la théorie du béton ne s'applique pas en Égypte ancienne. Alors non seulement les traces de taille, les traces de carrière, on a répertorié des centaines de carrières à travers l'Égypte qui montrent bien qu'on y a extrait les blocs et on a déjà commencé à les façonner sur place. Autre point important, on ne retrouve aucune trace de coffrage où que ce soit. C'est-à-dire que quand on fait un moulage de béton ou de ciment,
Dès qu'on extrait les planches ou le bois qui a permis d'effectuer ce moulage, on a des traces, des empreintes. Il n'existe aucune empreinte. De plus, tous les blocs sont de tailles différentes. Et aucun, quasiment aucun, n'est joint au sein d'une pyramide. C'est-à-dire que les blocs sont grossièrement taillés et leurs joints sont comblés de mortier. Quel besoin d'utiliser du mortier si jamais on avait inventé un béton géopolymère? De plus, de nombreux documents égyptiens évoquent le transport de grands monuments en pierre de leur lieu d'extraction au lieu où on allait les ériger, par exemple de très grandes statues. Documents égyptiens, par exemple, on a l'auteur Amenhotep, fils de Hapou, qui était architecte, qui évoque clairement, comme témoignage, qu'il a fait déplacer un immense colosse de 21 mètres de haut, qui provient des carrières de quartzite près du Caire, pour l'acheminer plusieurs centaines de kilomètres au sud à Thèbes. Il dit bien que ça a été transporté par bateau, que ça a été façonné. Il n'y a pas de moulage. C'est un document parmi tant d'autres qui nous explique, qui nous montre en fait que tous les blocs, comme les obélisques, étaient transportés par bateau. Si la théorie du béton était valide, il n'y aurait eu aucun transport de tels monuments. Alors, on essaie de fabriquer un mystère autour de la construction des grandes pyramides avec une idée reçue, celle selon laquelle il n'existe aucun document égyptien qui nous explique le déplacement, la taille des blocs, le transport. Alors c'est complètement faux, il existe une multitude de documents, des scènes, des dessins, des textes qui nous expliquent clairement comment étaient transportés et taillés les statues et les blocs. Parmi eux, on a par exemple le transport du colosse Djéhoutiétep, qui date du Moyen Empire. Donc, dans la tombe de Djéhoutiétep a été représenté le transport par 172 hommes d'un gros colosse de 6,80 m de haut, un colosse en albâtre, qui a été tracté par voie terrestre. Et on le voit clairement illustré, ce sont des files d'hommes, voilà, qui tirent avec des cordes le colosse qui est disposé sur un traîneau. Un autre document, le papyrus Anastasien, par exemple, évoque des problèmes mathématiques. Et parmi ces problèmes, il y en a un qui décrit un énoncé. Et l'énoncé, c'est celui-ci. On vous donne les dimensions d'un obélisque énorme. Celui-ci fait près de 60 mètres de haut, si on le reconstitue, pèse près de 3000 tonnes. Sachant les mesures de cet obélisque, combien d'hommes vous faudra-t-il pour le tracter? Voilà, c'est clairement décrit. C'est l'énoncé d'un problème. Malheureusement, on n'a pas la réponse puisque la solution n'est pas décrite sur le papyrus. Nous avons des représentations dans la tombe de Rekhmiré, donc une tombe qui date du Nouvel Empire. Et dans cette tombe, on a de très belles représentations qui montrent des ouvriers utilisant une rampe de construction qui permet d'élever les matériaux. Nous avons aussi dans cette tombe des ouvriers qui façonnent des statues avec des pierres, des échafaudages. Tout est clairement décrit. Il existe par ailleurs une petite scène gravée sur une stèle en calcaire qui a été découverte dans les carrières de Massara, au sud du Caire. Et cette stèle, en fait, représente la traction d'un bloc en calcaire disposé sur traîneau et tiré par des bœufs. Ce qui montre en fait qu'on pouvait aussi suppléer à l'homme en utilisant la force animale. La force animale a aussi été utilisée, par exemple, pour transporter des grands mâts en cèdre du Liban au Nouvel Empire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on pouvait donc trouver d'autres moyens pour tracter, pour tirer les matériaux, plutôt que la force des bras humains, on pouvait aussi utiliser les bœufs, les ânes, enfin bref, les animaux. Pour transporter les blocs, on sait donc qu'ils utilisaient le bateau principalement, puis le traîneau sur la terre. Pour les élever, on sait aussi, ça c'est une certitude, qu'ils utilisaient des rampes. D'ailleurs, la scène de la tombe de Rekhmiré l'illustre parfaitement, elle le montre. Et on a aussi beaucoup de vestiges archéologiques. Alors des voies de transport, souvent des chemins, alors des chemins en gravier, renforcés ou en briques crues, renforcés de traverses en bois, mais on a aussi quelques vestiges de rampes près de pyramides, donc des pyramides du Moyen Empire, mais aussi de l'Ancien Empire. À Gizeh, près de la pyramide de Khéops, nous avions un mur mégalithique, c'est-à-dire formé de très gros blocs qui délimitaient le cimetière occidental avec le domaine funéraire de Khéphren. Et il se trouve qu'il reste près de ce mur mégalithique un vestige de rampe qui a permis de mettre en place ces blocs énormes qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Donc l'existence de cette rampe nous montre
clairement, sans aucun doute, que les blocs étaient élevés par ce moyen. Alors on sait d'après la documentation archéologique, c'est-à-dire d'après les textes, d'après les tombes qui ont été découvertes près de la pyramide de Khéops, que le premier architecte de Khéops était le vizir Émiounou. Donc c'était le premier architecte, c'est-à-dire qu'il a officié, qu'il a lancé le projet de la Grande Pyramide, qu'il a sans doute contrôlé les travaux durant les premières années du règne, on ne sait pas combien d'années exactement, mais on sait qu'il a été ensuite remplacé, alors remplacé peut-être parce que tout simplement il est mort ou il a disparu, il était remplacé par le vizir Ankaef. Donc nous avons eu deux architectes responsables de la construction de la pyramide de Khéops. D'abord Amiounou, ensuite Ankaef. Et Ankaef est également cité dans les papyrus qui ont été découverts au Wadi Rajaf récemment. Donc à l'époque, donc à la fin du règne de Khéops, c'est bien Ankaef qui a supervisé les travaux de la Grande Pyramide. Il existe également une scène de transport primordiale en lien avec, cette fois vraiment avec la construction des pyramides. C'est la scène de traction d'un pyramidion, c'est-à-dire le bloc qui venait coiffer la pyramide. La scène qui était figurée près de la pyramide de Saouré à Abou Zir. Donc cette scène avait été gravée au sein même de la chaussée qui reliait le temple de la vallée au temple funéraire. Et donc cette scène, qu'est-ce qu'elle nous décrit? Elle nous décrit des hommes qui tirent une corde, qui tirent un traîneau, et sur ce traîneau figurait le pyramidion. Alors comment on le sait? Parce qu'il y a un texte qui nous le dit clairement, texte en hiéroglyphe. Malheureusement, le bloc est en très mauvais état, et la scène se coupe au niveau du traîneau qui supportait le pyramidion. La succession de deux architectes pour superviser les travaux de la Grande Pyramide peut très bien expliquer les changements que nous y observons, les modifications qui ont eu lieu au cours de la construction. À savoir les modifications de projet à l'intérieur même du monument, c'est-à-dire on est passé d'une chambre souterraine ensuite à une chambre médiane, la chambre de la reine, et enfin à la chambre du roi. Beaucoup de gens en fait refusent l'idée qu'il y ait eu des modifications, des hésitations dans l'élaboration du plan de la Grande Pyramide. Il faut savoir que c'était une habitude dans les faits. C'est-à-dire que toutes les pyramides antérieures à Khéops ont subi des modifications au cours de leur construction. C'était quelque chose d'habituel et quelque chose de naturel finalement. Donc il n'y a aucune raison de penser que les architectes de Khéops ou Khéops lui-même aient dérogé à la règle. Alors, les pyramides sont-elles des tombeaux? Alors, clairement oui. Alors, si des personnes se persuadent du contraire, c'est parce que prétendument on n'a retrouvé aucune momie à l'intérieur. Alors le premier point, c'est que c'est relativement faux, puisqu'on a déjà découvert des fragments de momies qui ont été abandonnés, laissés là par les pilleurs après leurs exactions. Donc on a bien découvert des fragments de momies, et même une belle momie, par exemple dans la pyramide de Merenré à Saqqara. Donc dire qu'on n'a jamais découvert de momie dans une pyramide, c'est faux. Alors c'est vrai qu'on en a découvert très peu, tout simplement, parce que toutes les pyramides ont été pillées. Maintenant faisons une comparaison. Vous allez dans un cimetière, vous avez une tombe, avec la pierre tombale, le nom, la date de décès de l'individu qui appartient à cette tombe, et dans cette tombe, vous n'avez aucun corps. Imaginons que cette tombe ait été pillée également. Allons-nous pour autant remettre en question le fait que ce soit une tombe? Tout simplement non, parce que nous avons le contexte, nous avons toutes les informations qui nous permettent d'être certains qu'il s'agit bien d'une tombe. C'est exactement la même chose pour une pyramide telle que la pyramide de Khéops. La pyramide se situe dans un cimetière. Elle a tout un ensemble autour d'elle qui nous permet d'être certain que c'est une tombe parce qu'elle fonctionnait comme une tombe. Nous avions un temple funéraire où on déposait des offrandes aux morts. On avait un temple de la vallée, des mastabas qui venaient s'orienter autour parce qu'ils appartenaient des officiels ayant vécu sous Khéops. C'est un cimetière avec un ensemble cultuel qui permettait de rendre des cultes et des offrandes aux pharaons décédés. Toutes les pyramides. Et des pyramides sont très prolixes à ce sujet, puisqu'on a redécouvert, on a découvert par ailleurs, alors peut-être pas chez Khéops, mais ailleurs, on a découvert des vestiges de temples funéraires qui nous décrivent, donc par des reliefs, qu'il s'agit bien de temples funéraires au sein desquels on déposait des offrandes et dans lesquels on effectuait des cultes journaliers. Et nous avons aussi des papyri qui ont été découverts, cette fois à Abouzir, des papyri administratifs qui ont été déposés dans le temple funéraire.
Et ces papyri administratifs, en fait, nous décrivent le fonctionnement complet du temple. C'est-à-dire qu'on sait exactement quand et ce que faisaient les prêtres qui officiaient à l'intérieur du temple tous les jours. Donc pour déposer des offrandes, pour réparer les dommages qui étaient effectués dans le temple, pour ranger les objets dans les trésors, etc. Donc le fonctionnement est très bien compris aujourd'hui. On sait très bien qu'une pyramide, ça n'est pas qu'une pyramide, c'est un ensemble funéraire avec des temples et tout un fonctionnement qui est très bien compris. Tout comme la pyramide, le temple funéraire lui aussi a évolué. Nous avions dès le départ, dès Djoser, en fait, un ensemble très complexe de bâtiments qui s'articulaient autour de la pyramide, donc pour effectuer les cultes. Ensuite, ça s'est simplifié, très simplifié même. Sous Snéfrou, cet ensemble très complexe s'est simplifié en une sorte de chapelle avec un petit temple situé plus loin. Mais cette chapelle était quand même là, et on pouvait y déposer des offrandes tous les jours pour que le pharaon puisse renaître chaque jour comme un dieu dans l'au-delà. Cette petite chapelle a ensuite une nouvelle fois évolué pour devenir un grand temple funéraire. Donc on retrace très bien cette évolution de Médoum jusqu'à la fin de l'Ancien Empire. Alors il existe des vestiges de temples à toutes les pyramides. La pyramide rouge, pyramide Rambouddha, même si on ne les voit plus très bien, il en existe encore des fondations. On se focalise beaucoup sur la pyramide de Khéops. Alors, à juste titre, elle est formidable. Mais on néglige trop tout ce que les anciens Égyptiens ont pu produire à côté de ce monument. C'est-à-dire que la pyramide de Khéops est extraordinaire, mais ils ont fait d'autres choses tout aussi extraordinaires. Ils ont recouvert tout leur territoire de temples gigantesques, par exemple le temple de Karnak. Ils ont édifié des monuments extraordinaires tels que des grands colosses de 21 mètres de haut, pesant plus de 1000 tonnes. Le règne d'Amenhotep III, par exemple, est un règne éblouissant. C'est peut-être avec Khéops ou Snéfrou le plus grand constructeur de l'ancienne Égypte. Il a recouvert l'Égypte de milliers de statues. Il a creusé un immense lac artificiel sur la rive ouest de Thèbes, construit un immense palais. Donc voilà, Khéops a produit quelque chose qui a marqué l'humanité, qui est resté à la postérité. Mais l'ancienne Égypte, sur ses 3000 ans, a aussi produit d'autres choses, tout aussi extraordinaires, ça il faut le rappeler. Le canal des pharaons, par exemple, qui est tout simplement l'ancêtre du canal de Suez, qui traversait de part en part toute la région orientale du delta. Ils ont construit aussi d'immenses murs, il faut savoir, pour la fortification, d'immenses forteresses. Les Égyptiens étaient très doués en fortification, en architecture militaire. Ils construisaient d'immenses murs en Nubie. Voilà, par exemple, une autre chose. Snéfrou, avec ses trois pyramides, a produit un ensemble de constructions équivalent à 3 800 000 mètres cubes de pierre, tandis que Khéops se limite à 2 600 000. Donc l'exploit n'est pas restreint à Khéops. L'aspect formidable de la construction égyptienne, de l'architecture égyptienne, ne se restreint pas à Khéops. Il y a d'autres choses tout aussi formidables. Les anciens Égyptiens avaient commencé à tailler et à extraire un grand obélisque dans la carrière d'Aswan. Ce grand obélisque est toujours dans la carrière aujourd'hui, on peut le visiter. Il s'agit de l'obélisque inachevé. Donc il s'agissait d'un très très grand obélisque, le plus grand connu, qui a été effectivement taillé. Par contre, il est resté fixé sur son socle rocheux, il était inachevé parce qu'une fissure est apparue en cours de taille. Donc finalement, les Égyptiens ont été obligés de l'abandonner. Il faut savoir que cet obélisque n'est pas une entreprise qui a été programmée de manière inconsciente par les Égyptiens. Ce n'est pas quelque chose qui était trop grand pour eux. Ils savaient très bien le faire, ils l'avaient fait par ailleurs. Il y a d'autres emplacements dans cette même carrière qui montrent que des obélisques ou des colosses ont été extraits, donc on a encore les traces de taille, similaires à celles de l'obélisque inachevé. Par contre, là, les colosses et obélisques ont effectivement disparu parce qu'ils ont été terminés, transportés et mis en place à leur destination finale. Brodait une légende autour du temple solaire d'Abou Ghorab. On prétend en fait qu'il serait interdit, mais interdit d'accès avec de gros moyens. En fait, c'est complètement faux. Alors, c'est vrai que ce temple solaire d'Abou Ghorab fait beaucoup parler en raison de la présence de cuves en albâtre qui ont un design original. Voilà.
Et donc ces cuves en albâtre qui permettaient de recueillir de l'eau de purification sont là, disposées, on peut encore les voir aujourd'hui. Mais ce site n'est pas interdit, en fait c'est un site archéologique comme des centaines, voire des milliers d'autres en Égypte. Et les Égyptiens souffrent tout simplement de moyens pour pouvoir tous les encadrer et de pouvoir encadrer le tourisme. Donc ce site n'est tout simplement pas ouvert au tourisme. Voilà. Alors, on remet souvent en cause l'authenticité des cartouches découvertes dans la grande pyramide de Khéops, donc des cartouches, c'est-à-dire les noms de Khéops, peints à l'encre rouge dans les chambres de décharge. Alors déjà, c'est une idée déjà assez rocambolesque à la base. Pourquoi aurait-on falsifié des cartouches à une époque où en plus le supposé falsificateur ne connaissait pas les hiéroglyphes? À une époque où il aurait été beaucoup plus simple de faire une falsification beaucoup plus accessible et un endroit voilà, que tout le monde aurait pu voir. Ici, les endroits sont complètement cachés et inaccessibles au commun des mortels. Et on a des inscriptions un peu partout, dans tous les sens, et qui sont aussi cachées dans les joints. Que vraiment, là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout crédible. Alors, les émetteurs de cette théorie évoquent une falsification pour retirer le nom de Khéops au monument, c'est-à-dire lui retirer la responsabilité du monument. Savoir pourtant que ces gens ignorent qu'il existe un autre cartouche. Un autre cartouche peint à l'encre rouge a été découvert à l'extérieur, sur la face nord de la pyramide, sur un bloc. Et celui-ci a été relevé durant la Seconde Guerre mondiale par l'égyptologue Georges Goyon. Alors cette publication n'a pas fait grand bruit, forcément. Ce sont des découvertes qui sont relativement mineures dans le milieu de l'égyptologie. Mais même si on pouvait supposer que les cartouches de l'intérieur de la Grande Pyramide, ce qui est effectivement faux, mais si on supposait qu'ils étaient faux, que c'était des fakes, il existe tout de même un cartouche authentifié à l'extérieur de la pyramide qui attribue bien la construction, donc le bloc, à Khéops. Nombreux sont ceux à vouloir déceler dans les proportions de la Grande Pyramide le nombre pi et le nombre d'or. Quelque chose vraiment qui obsède beaucoup de gens. Alors est-ce qu'il est raisonnable de vouloir les chercher? Alors, chacun est libre de les chercher, mais la documentation égyptienne nous montre clairement, de tout ce qu'on connaît, qu'ils ne connaissaient ni pi ni le nombre d'or. Non pas qu'ils avaient une connaissance rudimentaire des mathématiques, ça n'a rien à voir. En fait, ils avaient su pallier à ce manque, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas pi, mais ils avaient trouvé un autre moyen pour calculer l'aire d'un cercle. Voilà. Donc, ils comparaient le cercle à un carré un peu plus petit, voilà, et calculaient l'aire du carré équivalent. Donc c'est une sorte de quadrature du cercle, finalement. Alors, est-ce que ça fait pour autant d'eux de piètres mathématiciens? Est-ce que le fait de ne pas connaître pi fait d'un mathématicien un moins bon mathématicien que celui qui connaît pi? Ben non. En fait, pi n'est pas un critère qui permet d'évaluer le niveau de connaissance en mathématiques. Il n'a aucune conséquence, en fait, sur l'évolution des mathématiques. On peut être plus précis, c'est sûr, pour calculer l'aire d'un cercle ou son périmètre, mais c'est tout. Et les Égyptiens, eux, arrivaient très bien à calculer cette aire et ce périmètre avec une très très bonne approximation, mais avec leurs propres moyens. Donc le fait de connaître pi ou nombre d'or ne fait pas d'une civilisation avancée. Il s'agit tout simplement d'un peuple qui connaîtrait un moyen beaucoup plus précis de calculer l'aire ou le périmètre d'un cercle. Le nombre d'or, c'est plus en lien avec donc des relations géométriques harmonieuses dans des figures géométriques. Alors là, également, rien ne montre absolument que les Égyptiens aient eu cette volonté ou ce désir d'employer de telles proportions ou ce nombre d'or. Voilà. Ce nombre d'or, on peut le déceler dans la nature, de manière aussi fortuite qu'on peut le déceler dans la pyramide de Khéops. Les pyramides obéissent à différentes proportions. Nous avons la pyramide de Khéops, par exemple, qui, elle, a copié les proportions de la pyramide de Médoum. C'est-à-dire que toutes les proportions, les règles de proportion qu'on va découvrir chez Khéops, on les retrouve avant, à Médoum. Donc, déjà, si on avait une invention, ce ne serait pas au crédit de Khéops qu'il faudrait la donner, mais au crédit de son prédécesseur, Snéfrou. Alors, nous avons des pyramides qui ont les mêmes proportions que la pyramide de Khéops, mais d'autres pyramides qui en ont d'autres, par exemple la pyramide de Khéphren, qui n'a pas du tout les mêmes proportions, donc le nombre d'or,
On ne le décèlera peut-être pas de la même façon, mais on peut toujours le trouver si on cherche. Voilà. Parce qu'il y a toujours moyen de trouver que des longueurs de couloirs ou de chambres, il y a suffisamment de mesures pour qu'on puisse jouer avec, les combiner et trouver ce qu'on cherche. Pareil pour le nombre pile, le nombre d'heures, et quel que soit le monument, on peut déceler le nombre d'heures, à condition de bien chercher, on trouve. On serait tenté d'avoir une vision binaire de la pseudo-archéologie. C'est-à-dire qu'il y aurait l'archéologie, la vraie, et la fausse archéologie, la pseudo-archéologie. Mais tout est beaucoup plus contrasté. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent sérieusement et des gens qui ne travaillent pas sérieusement, ça c'est évident. Mais dans cette pseudo-archéologie, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont une démarche honnête, une démarche de curiosité, et qui suivent en fait les théoriciens, qui sont souvent séduits par les théoriciens, et qui pour la plupart, par contre, n'ont pas cette démarche honnête. C'est-à-dire que quand on leur propose des informations, quand on leur soumet des informations qu'ils ne connaissaient pas, ils le refusent, ils les rejettent, parce que ça ne convient pas à leurs idées ou à leur préconception. Donc le gros souci, c'est que nous avons affaire à une vraie démarche scientifique quand la personne est capable de recevoir des informations sérieuses quand même, et qui est capable aussi de se remettre en question en fonction de ces informations. Les archéologues se remettent constamment en question. Mais attention, je ne voudrais une nouvelle fois pas être binaire. Il existe de bons archéologues et de mauvais archéologues. Certains n'arrivent pas non plus à se remettre en question. Donc nous avons les problèmes liés à la pseudo-archéologie que nous pouvons aussi rencontrer dans l'archéologie. Et de même, en pseudo-archéologie, il y a certainement des gens aussi qui sont très sérieux, qui sont capables de se remettre en question. Par contre, à partir du moment où ils se remettent en question, ils acceptent de tous les faits qu'on leur soumet, ils quittent finalement ce milieu de la pseudo-archéologie, ils deviennent scientifiques. Ils adhèrent à une démarche vraiment, à une vraie méthode sérieuse et rigoureuse. Donc on s'empêtre dans la pseudo-archéologie quand on s'empêtre dans ses idées et quand on ne veut pas en sortir. La pseudo-archéologie vend du rêve, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on se laisse séduire par des idées extraordinaires, parce qu'on a besoin, voilà, d'images extraordinaires, pour diverses raisons, des raisons qui ne sont pas toujours les mêmes. Savoir qu'en fait, les archéologues souffrent d'un défaut, c'est qu'ils ne savent, en fait, ils n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens de diffuser, de partager leurs connaissances et les moyens que connaissent par contre les pseudo-archéologues aujourd'hui. Donc il y a une sorte de déséquilibre dans la balance, c'est-à-dire que l'archéologie n'arrive plus à se diffuser, à être diffusée. Par contre, il faut aussi qu'elle réapprenne, sans doute, à faire rêver. Voilà. Parce que la réalité est suffisamment extraordinaire pour ne rien avoir à inventer. La pseudo-archéologie prétend vous ouvrir à quelque chose. Au contraire, elle vous enferme dans une croyance, dans un cercle très fermé, qui occulte toute la réalité, en fait, qui occulte les faits. Plutôt que vous ouvrir, elle vous enferme, elle vous restreigne dans votre liberté de penser et de vous, justement, de vous construire une image qui vous correspondra du monde. Voilà. Donc, vous allez vous forger une idée qui est forgée en fait en amont par le théoricien de l'irrationnel, par le pseudo-archéologue, qui va vous convaincre avec des idées certes séduisantes, mais avec des éléments et des faits qui sont complètement faux. Donc ça veut dire que finalement, la civilisation égyptienne, quelque part, n'existerait même pas. Voilà. Tout ce qu'on peut observer aujourd'hui sur le Nil, visiter, pour eux, ça n'existe pas. Voilà. Ils occultent complètement cet aspect. Pourquoi retirer aux Égyptiens le fruit de leur travail, le fruit de leur réalisation? C'est tout aussi extraordinaire d'imaginer, enfin, de penser que les Égyptiens sont bien les auteurs de ce qu'ils ont fait, que de penser que ce seraient des gens qui étaient antérieurs à eux. En quoi ça ajoute de la magie? Pourquoi ce serait mieux? Voilà. Sachant d'autant plus qu'on n'a aucune information, que ces pseudo-archéologues n'ont aucune information, n'ont rien pour nous expliquer qui seraient ces gens qui auraient édifié les pyramides à la place des Égyptiens. Alors qu'ils essaient de nous vendre du rêve, mais au final, c'est un rêve qui, quelque part, s'estompe et qui n'a aucun sens, puisque il n'y a aucune explication, il n'y a rien. Voilà. Alors, est-ce qu'il est plus extraordinaire de penser que des gens ont construit les pyramides avant les Égyptiens, ou tout simplement penser que les Égyptiens l'ont fait eux-mêmes? Pour moi, c'est la même chose. Sauf que je sais que, voilà, je connais plein de choses sur la culture égyptienne, la civilisation égyptienne, je connais son histoire, et je suis sûr que ce sont eux qui ont construit les pyramides d'Égypte, tandis que je ne sais rien de ce que les pseudo-archéologues avancent. La datation carbone 14
même si elle peut encore être imprécise parfois, nous montre clairement, nous démontre que les pyramides ont été bâties au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et même si nous n'avions pas la datation carbone 14, le déroulement des rois, on connaît la liste exacte des rois qui se sont succédés en Égypte ancienne. Et il suffit tout simplement de remonter le temps, de les disposer sur la barre chronologique du temps qui s'est écoulé durant les 3 millénaires avant Jésus-Christ, pour bien voilà, montrer que les monuments correspondent bien aux rois qui se sont succédés. Les monuments contiennent des traces, des inscriptions hiéroglyphiques avec des noms de rois, et ça correspond bien à leur position dans la liste. Tout est cohérent. Alors de parler des mesures de son architecture, par la subtilité de son art, l'Égypte fait rêver, fera toujours rêver. Quelles que soient les théories, les théoriciens qui vont s'exprimer à son sujet, elle fascinera toujours autant le public.